oui, mesdames et messieurs, c'est jeudi même, jeudi mardi, hein, qui c'est 16 juillet 2024 là, reste sol. Est-ce qu'on dit reste soldat Kenya yo, ou bien yon l'autre groupe soldat Kenya ou bien policier Kenya Jacques qui est capable reler ou eh bien fait rentrer dans le pays d'Haïti et nous connaissons nous même TV la caille, nous gen image, nous gen son que nous porter pour là et nous pral inviter ou assister avec nous. Eh bien comment monsieur ça yo même t'a débarqué dans l'aéroport international Toussaint Louverture là qui loge colis dans Maïgaté, tout le monde connaît ça très bien depuis qu'on Port-au-Prince. Eh bien faut qu'on douze aujourd'hui là et reste et ou bien groupe soldat qui n'a ça même yo rentre dans pays a, mais tout le monde a dit mais pour qui ça n'a descendre comme ça alors que nous pas ouais ben aucun résultat que n'a yo bail sur le terrain. Est-ce que ça veut dire que n'a yo pral continuer à danser à ma piano, n'a yo pral continuer à danser musique africaine, ou bien n'a yo vinn travailler, ou bien n'a yo vinn aider l'état haïtien établir sécurité dans pays a? C'est question qu'a posé mais qui beaucoup joine réponse. Et ben mesdames et messieurs, nous gen image, nous gen son, comme nous dit li nous pral invite ou suivre avec nous et ou quitter commentaire par en bas vidéo ça. L'autre dossier qui a fait la une sur tous les réseaux sociaux, mais précisément dans l'international, là, mesdames et messieurs, c'est le dossier Magali Habitant. Et nous allons inviter plus de détails avec un citoyen ça. Nous connaissons un nègre qui est venu dans le ghetto. Et si on a un nègre qui fait toute ville dans le ghetto, c'est là le né, c'est là le grandi, c'est là le fait tout à fait lui. Et bien, qui connaît Magali Habitant très bien, qui s'est influencé dans le ghetto, dans la base gang, tout, faut nous dire ça. Et bien, monsieur, parle-moi de tout détail là dans l'émission Matin Débat, parce que bagay yon pile là, et nous, dernièrement, Magali Habitant qui sorti tout griffli dehors, et bien, côté l'atterri, donc, et sous waf, et Jérémy, zon en bayo, là, le fait nettoyage, et bah, CNE, bon, en tout cas, tout le monde comprenne clair que Magali Habitant, mesdames et messieurs, c'est pas un petit dame, ou wot, son dame qui est dame, non dame ni, et c'est pas n'importe qui moun, assez si yon moun ou ka rentre dans ghetto yo, ou ka rentre dans base gang yo, pour pouvoir faire nettoyage, pour y'a un exao, et pas un coup de balle qui pète. Eh ben, ça vle dit, ça vle dit, en tout cas. On écoute plus de détails avec le coup de zin à tourner. Et maintenant, on a parlé d'un gros monde que c'est Magali Habitant, que M.D.B. Fonti, rappelez-nous, qui est Magali, monsieur? Les gens qui vont passer dans SNGRS, c'est un monde qui vont passer au niveau de ghetto. Tout monsieur qui est dans le ghetto, soit disant monsieur Kembe Zam, soit disant leader ghetto, qui ont proximité que le fait avec.
Et m'a rappelé nous que Magali habitant c'est un monde que ca met pile à terre dans tout ghetto yo. Et gens que ta la tenir ta pile. C'est un monde et si n'a songé, nous songé on l'est que sous Ariel Henry qui était met un mandat derrière Magali dans plus de 3 heures de temps pays a été bloqué, même du pays a bloqué a, au niveau des ghetto yo. Nous avons une réaction. Et ça veut dire que ça te ba un peu le calcul. Ça veut dire Magali habite au niveau de politique, c'est un monde qui l'atterrit. Et les gon ban, les gon bench Cavel qui fait travail de politique. Les il y a deux messieurs Cavel qui est les Keke Jean-Max, c'est deux jeunes garçons Solino, c'est petit ghettoa et après tout assainissement que le gagne c'est monsieur Saufel. Et dépendant niveau assainissement, assainissement fait plus c'est dans ghettoa. C'est un monde qui atterrit dans ghettoa. Yon monde qui a fait un gouvernement sérieux ou gen Magali avou ou met ge garanti que ou gen quelques pions dans ghetto a et ba yon a pouen choix et premier ministre li fè de Magali il pa fè le konsa konsa li gade proximité a relation Magali et nous connaît Magali li même que pied la terre pa gen compte que pa met pied on met des grand ravine village de Dieu et l'en bon si nous parler de Badelma l'en parler de Badelma de Genève ça c'est Lila. Magali, les équipes Magali a son façon, nous avons toute proximité. Et Magali prouve nous ça. Dernièrement là, nous elle descend en bas la ville, la Jérémy, derrière toute bagarre la fin du toit. C'est pas n'importe monde. Et toi, nous pas Jérémy ou dit Genève. Donc on est zone ça, son zone qui gangsterisée. Là prend la Saline, ou prend et Souaf, ou prend ou prend dans cité. Ça veut dire que c'est un monde qui gagne pied la terre. Je pense tout de suite et je vais faire une autre remarque. Nous pas remarqué c'est après que les ministres parlent de administrer de Poutachita par la monsieur. Tout de suite, nous avons Magali fait intervention ça. Et si nous avons politique, gardez bien. Magali, c'est un monde. Si il y a une négociation entre monsieur Azamio et le gouvernement, Magali, c'est une tête de pont qui pourrait faire proximité de gouvernement à monsieur Gangyo. Pour finir avec le dossier Magali habitant, Pabli, que nous gagnons deux points que nous avons prêté ensemble. Haïti politique. Le premier ministre Guy Koni a rencontré hier le leader de Petite Dessalines, Maurice Jean-Charles. Qu'est-ce qui a été dit? Par contre, si nous remarquons Maurice Jean-Charles se mène dans la. C'est devant la scène. Devant de la scène. Ah oui, devant de la scène. Pas une jouette, pas une jouette. C'est politique à fait. Devant de la scène, Nato. Et. Faut discours à changer, oui. Parce que Jean-Charles, c'est toujours un discours contre l'Occident, oui monsieur. Il a toujours gagné. Poutine, il est devenu l'homme des ambassades. Poutine chita avec. Il est devenu l'homme des ambassades. Donald Trump, il chita avec Joe Biden. Et là, il m'a d'accord. Allez. Quand pas ici, il y a un monde qui rappelle là comme macaque. Mes amis. Et nous, qu'est-ce que ça? C'est deux cas. C'est où pour un discours ou pas un discours? Pas mettre aucun monde dans la confusion là. Il change quand? Faut le changer quand? Il comprend pas l'Occident. Il quitte là où il s'est tombé. Qu'on a la deal, la travail avec l'Occident. Il est devenu l'homme des ambassades. Sortez-moi là. Claire. Ah, parce que moi, je j'ai le talent. Et je suis l'homme des ambassades. Oh. Ni la France, ni les États-Unis. Américain au 4 juillet. Dans l'ambassade de France. 14 juillet. Ok? Et puis, il y a quelqu'un qui a rencontré. Dès que ça parle là. Ok? Même Poutine, quand il y a qui a posé cette petite question, ça va et ça est là. Ça va et là. Hey! Non, attendez, monsieur. Pas de démagogie, écoutez. Pas de démagogie dans la politique. Qui nous, ou remettez, nous, ou comment, est-ce que vous comprenez? Ou remettez en ou remettez en question cette question de conviction de Maurice Jean-Charles par rapport avec vis-à-vis de l'Occident. Non, dossier, je vais vous dire, vous êtes américain. Ah oui, et Oudolja. Parce que vous avez promis, vous avez promis pour faire
retourner à l'États-Unis, j'en voulais, est-ce que vous comprenez? Et puis il a fait le balai avec blanc, et puis il a fait le balai avec blanc maintenant. Et puis il a même dit, tout équipement, bail moyen, bail ça. Qui leader politique qui va d'arrêter venir à l'Amérique? Il est devenu maintenant l'homme des ambassades. Que lui bail, je dis en explication à peuple là, que le chien est discours. Parce que discours contre l'Occident, l'hip-hop marche encore, frère. Ça fait des coups de gauche. Ça fait des pas marcher Louko. Parce que Paul pas marcher action, moi bon pour Louko. Ça fait pas marcher encore. Oui. Pep ça c'est mon pep macaque encore. Mais justement Louko, et il y a pas que Moïse Jean-Charles qui doué. Pep ça pas pep. Non, il y a pas que lui non. Et tout, on pas qu'être bonne l'autre bleu frère. On pas qu'être bonne l'autre. Pep ça mon pep macaque encore. Qui te prend pouvoir? Nèg cabine douke, une composition et puis c'est pas vrai. C'est ça, qui te prend pouvoir et avec main gauche, main gauche, main droite. Et puis il y a séparé par là à main gauche, yo droite et gauche. Le cas de Jean-Bertrand Aristide dans ce rappel. Oh, Moïse Jean-Charles faut reprendre comme quoi. Ouais. Jean-Bertrand Aristide t'a prêché contre l'Occident. Yeah. Et puis voilà la conforme dans même pas de discours de gauche encore. Moi je sale pas tout corps. Dis quand on campé. Discours de gauche là tout. Quand on campé. Les amis, et ben je viens là en février à moi je sale t'aller en Russie avec un paquet de parlementaire. Hein? Et puis moi je sale pas tout corps. Dis quand on campé. Dis ça va là eh. Ça va. D'ailleurs ma volo grand monde. Vous faites sauver sous besoin j'ai un visa ou à leur famille ou qu'a dit. Qui dès que vous entendez pour Jean-Charles parler de Venezuela. Qui donne mon fois? Cher. Vous êtes pour Jean-Charles à parler de la Russie. Mon cher. Qui donne fois? Vous voyez, c'est question de CP, CPT. Notre invité à l'émission de ce mercredi, qui sera combien? 17 juillet 2024, l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Ok, c'est invité par nous. Demain. Okay. Ouais, c'est de CPT. CPT. Ok? Rien que de Gaïgoni, sous qui ça n'a pas même. Ok? Zigi. Le sénateur pour chercher à la rencontre le premier ministre Gaïgoni, sous qui ça, il va aller. Non, et moi, sous ce qui dit, c'est selon le débat, en fait, ça qui est le débat, c'était accord 3 avril là qui était création by CPT etc. Officiellement. Bon oui, mais l'autre bail qui a parlé, qui pas j'aime dire dans la presse, c'est pas source. Bonjour source, ça ça veut là. Est-ce que oui, ministère agriculture va te parler non, vous vraiment briac. Nous cachons. Information. Licence de Guia. Ça gagne. Ça licence de Guia gagne. Information. Parlez, parce que. Bagayo. Question licence de Guia, faut que nous comprenions. C'est le ministère de l'Agriculture. C'est le ministère agriculture et le ministère de l'Agriculture se passe un bon bout de temps là. Où t'as dit. Licence de Guia. Licence de Guia, actuellement là, il y a moins de 100 000 dollars avec lui. Oh. C'est vrai. Licence pour mon gon licence. Pour exploiter, à faire des gens qui n'ont pas là, ok? Ils ont demandé 100 000 dollars américains pour lui. Je dis là. Donc, si vous avez 100 000 dollars américains, vous ne pouvez pas garder une licence de gens qui n'ont pas. Charge. Vous causez. Faut que vous compreniez. Nous avons fait un exercice pour nous chercher. Nous ne pouvons pas parler. Ça mérite une grande enquête. Nous ne pouvons pas parler. Je dis à l'Istan Zangia, il y a demandé 100 000 dollars américains pour lui sous ma chair là. Donc c'est le ministre de l'Agriculture qui baille. Je dis à l'Istan Zangia, c'est 100 000 dollars américains. C'est le ministre de l'Agriculture qui doit baille. Oui, c'est l'agriculture, mais il est toujours. Il est toujours pour le monde. Il est toujours pour le monde. C'est pas le ministre là, non, qui est libre pour ni retirer licence, pour bailler licence, non? Merci, mon frère. Il n'y a pas de qui conseille Rémi dans le dossier de Zangi. Ah, moi j'ai vu une grande. Quelle information sur qui conseille Rémi? On va mettre l'autre. Qui conseille Rémi, c'est de casser ou bien négocier à Moïse Jean-Charles, ou bien lui mettre point lui, ok? Et puis les goumets avec les négociants à faire licence de guillot. Non, c'est pas lui qui seulement. Dans le dernier passage, là, c'est pas Kiko qui met le c'est deux forces, oui, qui te contrôlent les marchés en Guyane avec voilà. Deux forces. Voilà. Voilà. Voilà.
Dernier passé à là, c'est pas Kiko. C'est pas Kiko. Il y a deux choix. Ouais. C'est ou bien négocier avec sénateur Moïse Charles sous question de licence d'Anguilla, ou bien continuer gourmet de force pour que contrôle marché d'Anguilla dans le pays. Mm-hmm. Alors, Louko, faut nous dire que nouveau ministre a connaît bagaille là bien parce qu'il était secrétaire d'État et dans le ministère. Il connaît. Oui, il connaît bagaille là bien. C'est pas un monde qui a venu là et puis pour le bel quimbé, ça n'a pas existé. Donc, ah oui, bon, dégagez-vous. Okay, en tout cas, ça, son dossier n'a pas suivi ici. Donc, dans l'émission Matin Débat, madame, monsieur, donc sur Radio Téléclair, également sur toutes les stations radio, donc qui voulait l'émission, ça va pouvoir faire également au niveau de la diaspora haïtienne. On a les Haïti administration. Qu'est-ce qui se passe à l'ONA?